Salut les gars, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est ma vidéo setup. Donc, je vais vous présenter avec quoi je travaille, où je travaille, et essayer de vous présenter ça au mieux. Allez, à tout de suite. Alors, c'est parti. Bon, là, pour vous donner une idée, c'est là où je travaille. C'est l'endroit de ma chambre où je passe le plus clair de mon temps. Donc, je vais vous essayer de vous détailler petit à petit. Là, c'était l'airsoft. Donc, où j'ai commencé, où j'étais en train de vous présenter. Donc. On va commencer par ce côté-là. Donc là, c'est quelques jeux de PS4. Je n'ai que la PlayStation 4, hein, pour ceux qui se posent la question. Là, j'ai le livre de l'édition collector de Skyrim, qui me sert de table basse là-bas, je vous le dirai tout à l'heure. Donc ça, c'est un livre complètement en cuir, avec qui ça retrace toute la conception du jeu. Un petit collector Assassin's Creed de Black Flag quand j'avais les sur PS3. Et là, un ampli que je n'utilise plus. Là, vous pouvez voir aussi deux petites cartes collector Assassin's Creed Black Flag. Donc comme j'ai dit, hein, c'est ma vidéo setup et je vous présente un petit peu ma décoration. Ça c'est ce que j'ai ramené de la Paris Games Week. Le gantelet assassin avec l'arbalète. Là on a un petit Vador que j'ai acheté à Coro, si mes souvenirs sont bons. Peinture de Paul Walker. Hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis un grand fan de Paul Walker. C'est Cut, l'artiste qui l'a fait. Si vous êtes intéressé par ses peintures, je vous mettrai ça dans la description. La preuve parce qu'il m'a fait... Il m'a aussi fait Uncharted. Donc je vous mettrai son lien Facebook dans la description si vous êtes intéressé. Donc là j'ai la statue de Skyrim qui est un collector aussi que je vous ai fait voir. Là il y a mon poisson, Rocky. Mais bon, il n'y a pas tellement envie de bouger aujourd'hui. Non, il y a la flemme. Et là vous avez une statue de Black Flag aussi hein, que j'ai eu dans le collector que vous avez vu là sur PS3. Ma casquette Captain America. Donc je vais présenter mon appareil photo avec quoi je filme et que je prends en photo de temps en temps. C'est celui-là. Oh, je vais bien cadrer. C'est le Nikon Coolpix L820. Donc niveau rapport qualité-prix, il est pas mal. J'ai pas payé super cher. Donc j'utilise ça de temps en temps pour filmer. Là on a une petite réplique, un genre pistolet d'assassin. J'avais trouvé ça dehors en promenant mes chiens. Donc je l'ai ramassé. Ça c'est ma télé. C'est une Samsung, une 108 cm LCD. Donc beaucoup vont dire, oh, tu joues sur un grand écran. Moi ça me dérange pas du tout. J'ai plutôt l'habitude de jouer sur un grand qu'un petit. Là, vous avez ma PS4, hein, je vais pas vous faire le détail de ma PS4, c'est la basique. Vous avez ma perche que je me sers pour filmer mes vlogs. Mon disque dur Samsung, la télécommande de la Vermedia, ma télécommande de ma télé. Donc là, la Vermedia que j'ai reçue il y a quelques jours, la Vermedia, c'est la Vermedia Capture H2. Donc très bon qualité-prix, j'ai dû faire deux vidéos déjà avec. Là, vous avez un petit collecteur Assassin's Creed, la bague Assassin aussi, vous voyez là. Ça, c'est mon démodulateur pour regarder la télé, j'ai acheté ça aussi. C'est mon chargeur double manette pour gagner du temps. J'ai un grand Superman comme vous voyez là. Hop. Alors en casque, j'utilise plusieurs casques. J'utilise le Triton Kunai que vous voyez ici. J'utilise ça, je l'utilise souvent pour parler avec mes potes et ouais, pour parler avec mes potes en partie. J'utilise le Sony, un casque Sony comme vous pouvez le voir là. Quand je fais des vidéos à plusieurs, que je parle au micro, pour éviter le retour en écho, je mets ça sur mes oreilles, ça évite que mes collègues aient un retour en écho et que ça ne fait pas de bonnes vidéos, donc j'utilise ça et ça. Donc en micro, j'utilise celui-là, je l'ai acheté ce matin, parce que j'en avais pas et je l'ai acheté ce matin, c'est un, je vais vous dire ça tout de suite, un Connectland, je connaissais pas du tout, bon, je vais vous tester ça, je vais enregistrer une vidéo dans pas longtemps avec, donc... Vous me direz ce que vous en pensez. Là voilà, c'est mon PC. J'utilise un HP. Le nom, je ne pourrais plus vous dire. C'est un Intel Core i7. Carte Nvidia GeForce. Donc j'utilise pour jouer de temps en temps. Je ne suis pas un grand joueur PC. Là, je suis en train de faire le rendu de l'épisode d'Assassin's Creed. Donc, c'est le PC que j'utilise. Je suis en train de voir pour acheter un PC fixe. Parce que un PC un petit peu plus puissant pour gagner un petit peu de temps aussi. Parce qu'avec le PC c'est assez long. Ça c'est toutes mes télécommandes. Hop. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit avec le où je travaille. Là mon canapé, où je reçois les potes quand on joue ensemble et que je fais mes vidéos avec les potes. Le fauteuil multimédia. J'ai deux grandes affiches Avermedia qu'une amie. Avermedia, oui, je suis fatigué moi. Avenger qu'une amie m'a ramené de Paris. Captain America et Avenger. Et là j'ai encore un cadre Captain America. Donc voilà, c'est un petit peu avec quoi je travaille. Hein. Là, comme vous dites, hein, il y a mon PC, ma télé, ma PS4. J'ai pas un gros setup comme certains youtubeurs pour vous faire voir avec trois écrans, plusieurs consoles et tout ça.
Donc non, moi c'est ce que c'est avec quoi je travaille. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et donc là je vais me remettre en face. Ça va prendre 2 secondes pour vous. Hop. Donc voilà. Hop. Plus lumière, voilà, c'est un peu mieux. Donc ça avec voilà, c'est ici que je travaille. Hop, vous voyez tout ça. Ici je passe le plus clair de mon temps à travailler les vidéos pour vous, pour vous proposer de meilleures choses. Donc j'ai encore investi un petit peu ces derniers temps. Et en ce que je filme mes vlogs la plupart du temps ou que je pars en voyage, ben voilà, c'est tout simplement mon Samsung Galaxy S5, c'est avec ça que je filme. Donc voilà, j'ai pas, comme j'ai dit, hein, j'ai pas un gros setup. Je commence à acheter au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si je sais pas comment le dire en anglais, si ma chambre avec tout mon setup vous aura plu. En tout cas, je suis content de vous l'avoir fait. Comme je dis, vous en aurez un encore. Vous aurez soin de Max qui arrivera dans quelques temps aussi. Il a commandé du matos. Il attend de recevoir pour vous le faire. Et moi, je vous en ferai un quand ben, j'aurai une grosse évolution de matos. Normalement, mon PC fixe sera juste en dessous là, dès que je l'aurai acheté. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que je vais prendre. N'hésitez pas à me conseiller des choses hein, dans les commentaires, ce que je peux acheter comme PC pour faire de bonnes choses. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à qui l'a regardé. N'oubliez pas le like, ça fait toujours plaisir de vous abonner comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, peace les gars.